Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver. Donc, on va regarder un peu les énergies du moment. Avant de commencer, je prends 5 minutes pour remercier une sœur qui m'a fait un joli cadeau, deux jolis cadeaux. Donc, tu auras la possibilité de commander, d'accord? Et en plus de ça, avec un code promo, si tu tapes, attends, je vais te dire. Si tu commandes avec le code Gabi, tu auras 0,5% de réduction. Donc voici les jolis bracelets. Après, tu as plein de sortes. Voilà. Et nous avons aussi des petites choses comme ça que tu peux accrocher sur ton frigo, sur ton portable. Voilà. Voilà, donc merci ma sœur. Donc c'est le miroir magique d'Ancre. Et son adresse mail, je la mettrai aussi en barre d'infos. Et donc c'est www, enfin W trois fois. Point divine Bastet, donc divine Divine, Bastet, Bastet.com. Voilà, je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à aller voir dans sa boutique les jolies choses qu'elle propose. Voilà, hop, on va le laisser là pour que tu le voyes bien. Bon, bah c'est parti, on va regarder là ce que je peux te dire. Donc, je me laisse guider. On y va. Donc, tu penses très fort à ta situation, tu penses très fort aussi à la personne de ton cœur. Et on va regarder un peu, voilà, on va se laisser guider. Voilà. Allez. Déjà, on nous dit ici que tout va bien. Il n'y a rien, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de problème. De choses à se, tu vois, avoir peur. Tu vois ce que je veux dire? Ici, on parle de tes rêves. Moi, je pense qu'ici, que ce soit toi ou ton autre, il y a des personnes, ils ont des rêves, ils ont envie ici, je pense, de bonheur, on a envie de joie, on rêve de certaines choses, d'accord? Peut-être que face à nous, on voit aussi des personnes qui... Ouais, c'est ça. Peut-être qu'on en a marre, tu vois. Ici, j'ai l'impression que... Peut-être au niveau charnel, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'on a besoin de naissance, de choses, quoi. Voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce que je peux te dire pour toi? Hop. Il y a un cadeau qui arrive. Donc déjà, ça, c'est positif. On a... Ouh! Eh bien, on a un changement, on a la victoire. Donc ici, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. On te parle d'un changement dans ta vie. Ça peut être des changements d'appartement, de maison. On a un homme ici, donc ça peut nous parler d'un homme, d'une victoire, de quelqu'un qui revient. Ok. On a aussi des réunions et de l'argent qui arrivent. Et au niveau love, qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau love, love, love? Qu'est-ce qui arrive au niveau love? La tranquillité. Peut-être une deuxième. Ça fait beaucoup trop. Au niveau love, pour la personne qui me regarde, la famille. Donc ici, on est peut-être avec quelqu'un qu'on connaît déjà. Tu peux déjà être marié avec cette personne. Ça peut être aussi ton double, hein, la personne qui te ressemble le plus. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Est-ce que tu vois tout bien? Oui, j'ai l'impression que tu vois tout bien. Ah, il y a un petit zoom bizarre. Ok. Alors, ici, on a donc, comme je t'ai dit, un cadeau qui arrive à toi. Donc, c'est trop positif, on est content. On a aussi des réunions, on a aussi beaucoup d'abondance. Et au niveau love, on te parle de tranquillité.
Et au niveau familial, ou en tout cas au niveau de quelqu'un que tu connais, hein, parce que regarde, on dirait que tu connais cette personne, ça peut être déjà, tu peux avoir déjà construit quelque chose avec elle, ou ça peut véritablement nous dire qu'il y a quelque chose à construire avec cette personne. Et j'ai l'impression que peut-être vous serez des personnes connectées, toutes les deux, donc ça veut dire que vous serez tranquille, quoi. Donc, en fait, j'entends un couple paisible. Voilà. Bon. On va regarder ce que je peux te dire d'autre là-dessus. On prépare-toi au changement. Ici, on peut voir quelqu'un qui arrive. La victoire, tout simplement. Du bonheur. Donc ici, on a quelqu'un qui patiente. On est dans l'attente. On est dans l'attente de la réalisation de nos rêves. On patiente. Et en plus, j'ai l'impression qu'on te propose des choses, hein. Tu peux même avoir quelqu'un qui va te proposer de boire un café. Une invitation à boire un café. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Ouh, elle a volé celle-ci. La reine de Pentacle. Donc, tu es sur la bonne voie. Ici, on parle d'une femme qui est sur le point de s'accomplir. Une femme ben, qui est plutôt bien dans ses baskets. Hein? Une femme bien dans ses baskets. Qui voit clairement les choses. C'est une personne aussi qui peut communiquer, j'ai l'impression, avec les animaux. Nous avons ici une reine de coupe. Donc ça peut être une femme autour de toi, hein, qui est proche de toi, qui te donne de l'émotion. Qui te fait comprendre aussi, j'ai l'impression que tu peux avoir quelqu'un autour de toi, une amie proche. En tout cas, c'est peut-être même, c'est pas forcément quelqu'un que tu connais, ça peut être. Comment ça, pas quelqu'un que tu connais? Dans le sens où que tu vas faire attention à tous les signes qu'il y a autour de toi. Tu vas être attentive à la guidance et à toute personne qui arrive à toi pour te donner un message. Et là, on peut être dans l'attente de messages, de réponses. D'accord, voilà, la lune. Parce qu'il y a des choses qu'on a besoin de comprendre, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Voilà, c'est ça. On a besoin de comprendre des choses pour retrouver un équilibre et recommencer à zéro quelque chose. Donc ici, en fait, peut-être on va t'envoyer une femme qui va te venir en aide. Ouais. On va regarder ce qu'on peut avoir d'autre là-dessus. Reine de bâton, eh ben dis donc. On a les trois femmes, les trois reines qui sortent. Il ne manque plus que la reine de pique. On a les trois reines qui sortent ici. Donc, on va essayer de voir ce que ça veut dire. Mais ici, on a une histoire. On a aussi beaucoup de blabla, hein, parce que trop de dames, ça fait, c'est beaucoup de blabla. Beaucoup de blabla. Voilà. Ok, alors, on a une sorte de marguerite, tournesol. On a quelqu'un ici. Ok, on va essayer de voir. C'est comme si on a une femme entre, peut-être. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'as de Pentacle. Écoute, ça peut être très bien au niveau de ta vie. Tout, en fait, tout ta vie, ça peut ici nous dire, je vais la mettre là pour que tu la vois, ça peut ici nous parler d'accomplissement de travail, d'accord? Pour trois femmes, et ouais, genre trois copines, voilà, tu vois, neuf de pentacle, hein, au travail, c'est comme s'il y a un accomplissement ici pour trois femmes. Alors, on va essayer de voir ce qu'il y a d'autre, hein. Alors, ça peut être trois femmes avec trois énergies différentes. Il y en a une qui est dans une sorte de truc. Non, il y en a une qui est dans un travail, l'autre qui est dans un autre travail, une autre, par exemple, qui est dans un autre travail, mais les trois s'accomplissent. Alors, bon. Ouais, c'est bon. Il y en a une, elle peut travailler avec l'eau, avec la lune. Une autre qui travaille avec les fleurs. Et une autre qui travaille avec la terre ou les animaux.
Et on a l'accomplissement, donc on a un monde, on a le monde ici. Et puis on peut ici y voir que tu as la protection de ton guide, du guide, et qu'il y a comme la protection aussi de femmes qui sont divines ici, d'accord? Qui sont là pour te guider. Je vais prendre encore. Ok. Ça fait beaucoup trop, donc je peux pas. Je vais reprendre encore, peut-être. Moi, j'ai la sensation ici qu'il y a un changement pour. Il y a un cadeau qui arrive pour une. Il y a un changement qui arrive pour l'autre. C'est quelque chose qu'on ne dit pas. Et. Et on a une autre, peut-être, qui espionne, prend des renseignements. Parce que depuis tout à l'heure, je vois le 5 et le 7 d'épée, mais on va aller regarder cette reine de bâton ici. Qu'est-ce que c'est réellement? Est-ce que ce n'est pas une reine de cœur qui te prévient qu'il y a ici une tierce qui est là? Et je ne sais pas, on dirait qu'elle dessine, elle copie, elle fait des copies sur du papier. On a un tournesol et on a la carte magique qui sort. Hein. La grande prêtresse, il y a un message ici. Moi, je te vois ici, que ce soit toi ou ton autre, en fait, vous cherchez la tranquillité familiale. On a aussi envie, tu vois, il y a aussi ouais, c'est ça. On a envie d'une tranquillité familiale ici, clairement, vraiment. On a envie d'un truc paisible, posé. Mais est-ce qu'on manque pas de maturité? Est-ce que ce projet manque pas de maturité? Bon, j'ai besoin d'avoir encore peut-être au niveau de ça. Des choix, un choix à faire. Un choix à faire qui nous prend la tête. Ok, alors attends, je vais regarder autre chose ici. Est-ce que je peux avoir d'autres? Un projet, c'est un projet. On démarre un projet ici. Hein. Ça peut être des personnes qui travaillent ensemble. D'accord? Ouais, c'est possible. Alors ici, on peut te dire qu'il y a quelqu'un qui t'observe de loin. On peut y voir aussi quelqu'un qui va faire réapparition dans ta vie. Tu vas avoir des nouvelles téléphoniques. Tu vas avoir des nouvelles. Tu vas avoir une grande joie qui arrive, d'accord? Une très grande joie. Ça peut être aussi du financier qui va tomber comme ça pas par magie, mais voilà, du financier qui tombe. T'as quelque chose qui arrive à toi qui va te donner vraiment du bonheur. On parle ici de grande joie. En plus, en dos de deck, nous avons quoi? Nous avons la flamme jumelle. Donc, c'est véritablement quelque chose de beau qui arrive à toi avec l'as de cœur. Donc, ça arrive rapidement, on te dit. T'as des nouvelles de quelqu'un qui. De ton passé, hein, oui. Hein. Et quelqu'un qui te regarde. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a pris des cheveux blancs. Ouh là, qu'est-ce que je peux avoir là-dessus? Ouh là là, d'accord. C'est quelqu'un qui a des énergies un peu troubles, d'accord? Ici, dans sa vie, on parle de blocage, voire de rupture, d'énergie un peu bizarroïde, hein, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, et ici on a l'empereur. Attends, parce que je me suis mis d'une autre façon. Donc, on va appeler. Ouais, c'est peut-être une dépendance affective qu'il a par rapport à toi. Moi, je sens beaucoup de jalousie. C'est possible. Qu'est-ce que je. Ah bon, elles sont toutes d'accord. Ok, je pense qu'il y a des choses embrouillées dans le cerveau de ton autre. Peut-être qu'il vit une rupture, quelque chose comme ça dans sa vie. Qu'est-ce qu'il ressent pour la personne qui me regarde? Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi?
On a envie de donner des nouvelles. Quoi d'autre? Qu'est-ce que la personne là, de notre cœur elle a envie de faire? Waouh! Elle a envie de beaucoup de choses avec toi. C'est le monde, d'accord? Elle a envie de tout avec toi. En plus, avec le 10 de Pentacle, c'est ça. Peut-être que dans sa vie, elle vit quelque chose de compliqué. Hein, j'ai 10 de pique qui me revient. Peut-être des choses à éclaircir dans sa vie, des vérités à éclaircir, des personnes peut-être à écarter. Hein. Je vais regarder qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau de ce 5 de pique. Qu'est-ce que je peux avoir au niveau de ce 5 de pique? C'est conflictuel dans sa tête par rapport à son passé. D'accord? Je pense que... On me dit en fait qu'il est parti, peut-être à un moment donné vous êtes chassé, que ce soit toi ou lui, tu vois, la rupture, le retard, les blocages, les colères. C'est comme si à un moment donné vous vous êtes quitté ici, mais il y a toujours cette histoire du passé. Mais malgré tout, on repense encore à ces problèmes-là. Malgré qu'on a besoin, on veut voir clair, on veut être bien ici. Je vais les recouvrir. Des vérités, hein, l'as d'épée qui revient. C'est une personne qui se sent seule, qui pense énormément à toi. D'accord? Tu es beaucoup dans ses pensées. Je pense que ça soit toi ou lui, vous pensez énormément à l'un et l'autre. On se sent seul, en fait. Hein. On se sent beaucoup seul. Et on peut avoir cet homme de cœur qui est accompagné avec une autre femme, hein, c'est possible. Avec des enfants. Ok, on va voir. Hein. Donc, ces nouvelles ici. Donc, le triomphe. Hein, le 10 de Pentacle qui revient, qui est ici. Donc, c'est le triomphe. C'est quelque chose qui t'arrive, qui est merveilleux. C'est quelqu'un qui accourt à toi. C'est ton homme. D'accord? C'est un homme. C'est un vrai homme. Hein, c'est vraiment quelqu'un de charismatique, avec beaucoup de pouvoir. Il est très, très mal. Hein, c'est... Dans sa tête, ça ne va pas trop, il est très très mal, il est anxieux, il a peur de certaines choses, il a peur aussi au niveau du passé, il peut avoir aussi des craintes au niveau de sa famille, d'accord, s'il a une famille évidemment. On parle de quelque chose de rapide hein, qui arrive et c'est plutôt positif, on a le soleil, donc c'est très très positif, quelque chose de lumineux qui arrive, mais on dit quand même que cet homme, il est tracassé. Il est vraiment tracassé. Ça travaille beaucoup dans son esprit, d'accord? Et il a aussi envie de travailler beaucoup. On parle ici de visite, hein, c'est ce qu'on nous dit ici avec la 6 de cœur. Donc, c'est une visite, c'est des démarches qui sont en train de se faire aussi au niveau du travail. Et nous avons des vérités avec la reine de carreau. Donc, une tierce. On peut avoir aussi des visites aussi par rapport à cette personne d'une tierce. Elle est peut-être là, hein? Financier, travail, tu vois. On va recouvrir. Qu'est-ce que cette personne, il a avec tout ça? Qu'est-ce que notre autre a à voir avec tout ça? Ok. Des papiers, des démarches, des choses. Ici, nous avons de la colère par rapport à des visites. Du travail hors de la maison, du travail qu'on a très envie de faire, mais on a quand même de la colère à la maison, on a des soucis au niveau des papiers. Il y a quelque chose de merveilleux qui arrive, d'accord? Quelque chose de illuminant. Illuminant. En fait, tout ce qui ne va pas là, c'est dans ses pensées. Il n'arrête pas de penser. Il a envie de quelque chose de nouveau, de neuf. Il rêve de sa reine de trèfle. Voilà, tout simplement. Hein. C'est une personne qui a envie de rejoindre une reine, la reine de son cœur.
Il a aussi un jeune homme peut-être dans la tête. Il pense à un jeune homme. Ou alors c'est sa passion qui est toute choubidou pour son impératrice. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre, s'il te plaît? Des retards. On peut avoir des retards un petit peu au niveau financier. On peut avoir une femme aussi autour de nous. Qu'est-ce que je peux avoir là-dessus? On peut avoir ici une reine entre vous. Il y a des communications très cool qui arrivent, d'accord? Vraiment. On te parle même d'engagement, tu sais, love, love, in love. C'est merveilleux. Ici, nous avons quand même un monsieur ici qui est là. Donc, bon, ok, on continue. Il y a un rééquilibrage à avoir, peut-être dans tes pensées à toi, hein, c'est possible, chère impératrice. En tout cas, peut-être que, ou l'autre, ou ton autre, hein, peut-être qu'il y a une amitié qui est fausse. On nous demande de patienter sur une amitié qui est fausse. Ouais, sur nos espoirs et nos questionnements, on a des doutes. On a des doutes de réussir et ou de ne pas réussir. C'est le message. Ça, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout va bien, hein? Il y a une réussite. Donc, on ne s'inquiète pas. Ce choix ici, ben, ce choix que tu vas faire, chère impératrice, va te donner ici la victoire. D'accord? Tu ne t'inquiètes pas. Tu prends les choix qu'il y a à prendre. En plus, je vois ta médiumnité, ta clairvoyance être super développée. Je vois une impératrice ici. Qui a la capacité d'envoyer des messages au-delà des sphères visibles, si tu vois ce que je veux dire. Alors, ici, je pense qu'il y a des communications qui arrivent et ça, il y a une rupture. D'accord? On parle ici d'une dispute, même voire d'une séparation. Mais est-ce, alors, des nouvelles qui vont nous donner, ils vont nous faire nous disputer, peut-être des messages avec quelqu'un. On parle de certitude et regarde ce que je tire. De te méfier, il y a des messages qui arrivent d'une tierce personne qu'il faut franchement te méfier. C'est vraiment, on dirait que c'est une personne qui arrive de loin en bateau ou en avion, mais c'est, voilà, attention aux messages que tu reçois. On parle d'un rival, hein, d'une personne qui se fait passer pour bien, mais c'est pas une bonne personne. C'est une personne peut-être même qui va essayer de te dragouiller. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on a un cadeau qui arrive. Alors, est-ce que cette personne ne va pas te faire un cadeau empoisonné? Alors, attends, je dois les remachiner, tu vois ce que je veux dire? Donc, là, moi, j'ai l'impression ici qu'il y a un ami qui est faux, d'accord? C'est une personne qui risque de revenir à toi. C'est une personne qui est très fausse. Donc, allez, on va regarder. Ici, cette patience sur cette amie, celle-là aussi, elle veut venir. Regarde-moi ça. Il y a une bonne femme aussi, hein, d'accord? Attention, hein, des fausses personnes. La femme peut être un peu plus âgée que l'homme. Qu'est-ce que je peux avoir là-dessus? Regarde-moi ça. Hein? Des personnes qui ont des espoirs sur ta prospérité. Sur ton abondance, d'accord? Attention, il y a un serpent homme, un serpent femme. Donc, c'est une personne qui risque de revenir avec des messages, mais attention, hein, c'est fausseté à plein nez. Hein. Ah oui, on a du cœur qui arrive. Pour moi, tout ça, c'est pour toi. Hein. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ouh! Il y a une dégélation de sentiments ou de blocage, de déblocage, des communications qui arrivent, un ex-partenaire. Et qu'est-ce qui se passe avec celui-ci? Ou ça peut être quelqu'un qui va t'envoyer des messages de l'au-delà, hein, d'accord? Ouais, pour te donner de la force. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Bon. On va regarder ce que je peux te dire avec ces deux personnages-là. Hein, on voit ici une personne dont tu devrais te méfier, et on a un autre personnage, une personne de ton passé.